Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve aujourd'hui sur Gesso Gaming pour la suite de Dragon Age Inquisition. Alors, dernière fois, on s'est arrêté devant les chutes d'eau en sortant de la grotte, j'ai envie de dire. Et moi, en fait, juste avancer au campement, en fait, pour récupérer un peu de vie. Je vais fabriquer des grenades. Hop. Voilà. Je vais appeler mon cheval. Parce que j'ai vu que la dernière fois le cheval était pas mort en fait. Enfin, je sais pas, la dernière fois j'avais du mal à l'avoir, mais en fait. Bref. Alors, on va ramener ça. Ah, c'est juste en dessous. On va couper, comme d'hab. Hein. C'est dans la maison qu'il va falloir aller. Ah non, faut que je place l'être. Ok, je fais facteur, mes heures perdues sans problème. Ok, et on marche sur les terres, il nous reste du coup la carte des chutes d'eau. Je me suis renseigné en fait où ça pouvait être. Parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien chercher. Et j'ai trouvé. Enfin, j'ai trouvé. Je pense avoir trouvé. Et sinon, ça c'est quoi? Ouais, faut de la velotine. Et c'est marqué où faut que je trouve la velotine? Non, bah non, c'est un gros délire de toi quoi. Ça c'est les éclats. Ça je sais pas ce que c'est. Il y a c'est plein de portes verrouillées que je ne peux pas verrouiller. Je vais réfléchir à quoi faire. Parce que là-bas c'est là où il y avait les dragons la dernière fois. Là c'est quoi? Je l'ai trouvé. Je comprends pas ces gisements à l'île. Je vais essayer de retourner. Voir si je trouve ce coup-ci. Mais... On avait déjà cherché une fois. Enfin j'avais déjà cherché une fois. Mais je trouvais pas en fait ces gisements qui nous parlaient. Maintenant il n'y a plus la faille, donc peut-être que c'est plus simple à trouver, je sais pas. On va voir ça. Alors. Je sais que c'est près de l'eau, hein, mais je fais le tour parce que. Rappelez-vous, il y a la cascade. Et la cascade, elle est un peu dure à monter. Donc. Je me rallonge un peu. Pour moins galérer. Je sais pas si ça se dit. Mais... Moi, je dis. Alors. Si c'est tout là-haut, son gisement. Il va se faire foutre. C'est tout monté là-haut. On peut pas. Ok. C'est pas là, j'avais déjà été, je pensais justement que c'était pas là. Ça doit être là-haut, moi je vois que ça. Bien, je vois que ça. Non, 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 tu descends pas. Putain, c'est pas vrai. Non, il peut pas monter. Hop là! Bon. Je sais vraiment pas par où c'est. Pourquoi il y a des chiens? Des chiens.
pas monter non plus. Là, il n'y a rien à faire. Les hommes brûlés. J'en suis sûr, en fait, un moyen pour monter. C'est pas évident du tout. Au passage, on va prendre. Ouais, du coup, ce serait là ou là. Ce serait là ou là. Ah, ça m'énerve, j'aime pas chercher en plus. Hop, hop. Hop. Ça doit pas être mal. Forcément ça dégage. Non, c'est pas par là. Puis arrêtez de me regarder, vous deux là. Putain, ils avancent à rien, ils font rien de leur vie. Et en plus, ils me font chier. Putain, je suis pas mal pourtant en passant par là, quoi. Bon, là, ça passe pas. C'est pas, on va trouver un autre chemin, c'est pas un souci ça. Ah, mais bordel! Impossible, ça n'est qu'à gros cul comme ça. Peut-être par là. Peut-être par là. Retrait. Non, mais non, tu peux monter là. Non, te fous pas de moi, sérieusement. C'est juste abusé, quoi. Qu'est-ce qui l'empêche de monter là, franchement, dites-moi. Je vous ai demandé retraite alors déjà. Ok, je suis coincée, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je suis vraiment coincée en plus. Alors. Qu'est-ce qui peut être ce putain de ravin? Putain, gisement, je veux dire. Ouais, est-ce qu'on fait le tour, hein, plus qu'autre chose, hein. Il serait dans le château. Pas un peu louche. D'accord, cool, chouette. Formidable. Putain. Putain, non mais sérieux, je me suis cassé les 1 hein, pour ça. Vous y croyez, vous? Putain, c'est pas possible. Ah putain, misère, quand tu nous tiens. Bon, je vais prendre le gisement, enfin l'éclat trouvé. Je vais faire tous les gisements qui sont dans le coin. Et puis,
Voilà quoi. Allez, j'espère par contre, je peux qu'il est. Je peux qu'il est. Il est là. Hop. Ensuite, c'est quoi? On n'en sait rien. On sait rien, donc on va aller voir. Retrait, non mais retrait. Toujours qu'ils attaquent, hein, c'est terrible, ça je trouve. Terrible, terrible, terrible. Je peux pas sûr que c'est par là. Du fer, on va le prendre sans problème. Ça me pas fait ça, un embryum. Alors, c'est un peu un labyrinthe quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faut que j'aille de l'autre côté, quoi. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, quoi. Eh ben, vous êtes bien sérieux? Au fait, ça fait quoi la garde quand il n'y a pas d'enclin? Ce qu'il faut pour protéger le monde. Comme rejoindre une inquisition? Si c'est nécessaire. Mais vous êtes là aussi, vous. L'inquisition peut pas avoir que des membres de mauvais poils comme vous et Cassandra. Elle n'a pas assez de poils pour l'avoir mauvais. Oh, parlez pas trop vite. On n'a pas tout vu. Donc Cassandra aurait peut-être des poils. Question. A-t-elle des poils ou pas? Du coup, moi, c'est par ici. Par ici. Mais putain, mais... C'est par là. Que se passe-t-il? Lettre dans une maison abandonnée. Rêve de pierre. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Alors, du coup, je sais plus ce que je voulais faire tout à l'heure. Ça, on n'a pas fini non plus. Ah, ça, c'est le truc céleste avec les étoiles. Je sais pas ce que ça fait d'en avoir trois en fait. Donc, on va voir. On va voir ça tout de suite. Ça tranquillement, sans problème, sans se problème la tête. Alors c'est bon. Allez, viens là mon garçon. Faudra que j'en prenne un autre cheval, voir à quoi il ressemble les autres. Ça pourrait être sympa, je pense. Hop. Parce que je sais pas trop à quoi ça peut servir. Je sais pas. Parce qu'on dit qu'il y en a une dans chaque ville ou chaque région, on va dire. Donc, ça va servir à quelque chose. On va voir ça tout de suite. Alors. Alors. Ok. Donc. Tac, tac. Commencer. Tac, 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 et tac. Ouais, voilà. Ouais, c'est une épée. Ou une clé mort. Alors, symbolisé par une épée. Ah, faut explorer la grotte maintenant, d'accord. Ça me montre une grotte en fait, c'est ça? Attendez. Ah, c'est ça. Ah, c'est cool. Du coup, j'ai pas un camp à côté. Non, ça aurait été trop beau. Bon, on va y aller à cheval. Hein. Ouais, ça doit voir le coup alors, le. Je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je pense que ça doit voir le coup quand même. Ça
C'est quand même Edge, c'est un gameplay, mais c'est aussi une découverte, quelque part. Donc, on part découvrir la glotte. J'essaie d'avoir un bon cheval quand même, parce que... Oh putain, c'est toujours la même misère, ça. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. On doit pas être super lent non plus, hein, je pense pas. En plus, à cheval, ça passe bien. Hop. Ah, par contre, on a une quête. Je vais voir vite fait. Allez, mon garçon. Et où la porte? Bon, déjà pour les filer. Ravi de vous revoir. Vous êtes à court d'herbes médicinales? Oui, j'en ai besoin pour éviter que leurs blessures ne s'infectent. C'est trop dangereux d'aller en cueillir dans les collines. J'ai fait une liste des herbes dont j'ai besoin. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. Il y a la liste. Ok, j'ai tout ce qu'il te faut. C'est cool. Ravi de vous revoir. Voilà, tiens. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. De rien. Ah ouais, c'est une quête en fait infinie, quoi, parce que... Toujours besoin, non, c'est pas ça. Ravi de vous revoir. J'ai trouvé les herbes que vous cherchiez. Je vais pouvoir sauver plus de vies avec ça. Au revoir. Merci beaucoup pour votre aide. C'est bon, je prends pas trop là. C'est bon. Ok. Qui est là? Ah, c'est bien, je vais bientôt avoir fini complètement en fait. Les marches solitaires. C'est plutôt cool. Ça va être par là. Wow. Prendre la carte. Et puis c'est bon, c'est par là. Allez. Oh mais merde quoi. Arrête de faire le con. Je peux rien faire pour moi. Rien du tout. Passer au sommet de cet endroit là, je me chie mes galères comme pas possible. Mais maintenant je me capte personne en fait. Tant mieux, hein, je sais pas. Ah, la grotte, c'est peut-être celle-là. Non, c'est pas l'air d'être ça. Ce n'est pas une glotte. Elle est où la grotte? Elle est par là. Ah, cette grotte là, on la connaît celle-là. On la connaît cette grotte. Je comprends pas tout là. Parce qu'on était passé par là pour vaincre les mages. Je sais pas trop ce qu'il y a de plus en fait. Ok. Ok, ok. Bon, ma foi, c'est pas mal.
Et après, journal. Marche-terre. Carte de chute d'eau. Alors, la carte des chutes d'eau. Attendez. La carte des chutes d'eau, je sais où qu'elle est. C'est là où j'avais galéré avec, avec les mages et tout. C'est le croisement. Donc c'est pas par là. C'est quoi ça? Ok, ok. Okay. Ah, je réfléchis, hein, mais je trouve pas. Mince. Miss. Bon, je sais plus. Pire, c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. De toute façon, là, on va arriver bientôt à une demi-heure de gameplay. Donc, ben voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là tranquillement. Par contre, je vais juste regarder ce que je vais faire le prochain coup. Fabriquer une rune dans la crypte. Bon, puis on peut le faire vite fait, ça. Ça, c'est pas encore trop gênant. Dans la crypte, c'est là où il y a le forgeron. Donc, on va pouvoir fabriquer cette rune dans la crypte. Oui, c'est aussi fabriquer une crypte dans la rune. Ça va pas être terrible. Donc ça, on va faire ça vite fait. Il n'y a pas pour longtemps. Et puis voilà. On a avancé un petit peu quand même. On n'a pas avancé normalement par rapport à l'habitude, ça je vous l'accorde. Mais bon, on a quand même avancé. Donc on va vers ça tranquillement. Voilà. Faut le temps que ça charge quand même. Hein. Faut pas être pressé. Alors, la crypte elle est là-bas. Elle est là-bas, la crypte. Alors, hop, hop. Et une rune, par contre, j'ai aucune idée de ce que c'est une rune. Qu'est-ce qu'une rune? C'est un arbre, je pense, non? Inquisitrice? L'arcaniste est là. Voyez vous-même. Bien le bonjour. Eh bien, ne restez pas là à bailler au cornet. Qu'est-ce qu'il vous fallait? Vous êtes la conseillère en magie. L'inquisitrice. Je suis Dagna. L'arcaniste Dagna. Très honorée, votre grâce. Alors, c'est ça l'encre? La marque sur votre main. C'est joli. La brèche était jolie aussi. Apocalyptiquement jolie. Bienvenue dans l'Inquisition. J'ai hâte de voir ce que vous pourrez nous apporter. Et moi donc, j'ai entendu des choses impossibles. J'adore les choses impossibles. C'est ce que je préfère rendre possible. J'ai jeté un œil aux appareils d'Harry. Ils ont une précision remarquable. Mais ça reste très classique. Banal. Pardon. Je ne voudrais pas manquer de respect à ceux qui travaillent à l'ancienne, mais ce qu'il vous faut, c'est une nouvelle perspective. J'ai fait des réglages.
temps que je continue, vous pouvez fabriquer à peu près n'importe quoi. Presque sans risque. Dagna, montrez-moi ce que vous savez faire. Vous voulez du feu? On demande toujours du feu en premier. C'est du feu, hein? Voilà comment ça se passe. Vous m'apportez un truc rare pour un enchantement ou une pièce d'exception et vous préparez ici normalement. Sauf que ce n'est pas tout à fait normal. C'est de la manipulation d'énergie brute. Mais je m'assurerai que tout se passe bien. Vous verrez. Ils verront tous. Tiens, comment allez-vous? L'encre a eu l'air de vous impressionner. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? J'ai entendu ce que tout le monde dit que vous avez entendu Corypheus dire. Une sacrée chaîne de pied, quoi. Moi, ça m'évoque une clé. Mais les clés font des tas de choses. Ouvrir, fermer, changer. Certaines ouvrent une seule chose, d'autres ouvrent tout. On dirait que Corypheus l'a créé pour ouvrir. Il semblerait que vous puissiez l'utiliser pour fermer. C'est peut-être aussi simple que ça. En tout cas, c'est joli. J'aimerais bien y comprendre quelque chose. Ok. J'ai hâte. Comment je ferais qu'il y ait une ruine? Non. Je regarde un peu ce qu'il y a. Décoration. Trop un jeu de garde. Puis trop. Non, non, c'est aussi. Fabriquer une rune. Alors là, quand tu sais pas ce que c'est qu'une rune, tu peux te jouer, t'es bien. On va voir dans les armures. Non, c'est pas ça. Ah, rune de feu. Fusilium rouge. Donc on a rien en fait. On a rien. Ok, c'est pas grave. Quête terminée. Ok, c'est cool. Enfin, pas ce qu'il faut, mais la quête terminée. Ok, bon bah je vais vous laisser là les gamers. Et on se retrouve prochainement dans la crypte. Je verrai si je ferai quelque chose et si je vendrai, etc., etc. En espérant que le gameplay vous ait plu. Que l'aventure Dragon Age auprès à mes côtés vous plaît. Et nous on se retrouve très très vite avec Shayna sur Dragon Age avec Jesu Gaming. Allez, à plus les gamers.